Est-ce que vous avez déjà joué à Fortnite avec des objets Razer de contrefaçon? Non? Eh bien c'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans cette vidéo. Eh bien bonjour à tous les amis, c'est GX. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va tout simplement jouer avec deux produits Razer de contrefaçon. Ces produits, c'est tout simplement une souris Razer et un tapis de souris Razer. Au niveau du fake, on est vraiment pas mal. Vous allez comprendre pourquoi. C'est réellement du foutage de gueule en vrai. Malgré que le prix soit vraiment pas cher, je trouve que c'est vraiment osé de leur part de faire ça. Vous allez tout comprendre pourquoi les amis. Premièrement, le tapis de souris qui est comme ça. Et la souris qui est tout simplement une version Overwatch de la Razer Deathadder. Eh bien dans cette vidéo, nous allons tout simplement jouer à Fortnite avec ces deux objets. Et nous allons voir la difficulté de jouer avec des produits fake étant que c'est de mauvaise qualité du coup en l'occurrence. Alors si vous aimez le concept, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et surtout les amis, abonnez-vous, c'est très important. On vise les 110 000 abonnés, donc allez-y à fond. Abonnez-vous tous si c'est pas déjà fait. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça prend 2 secondes. Et ça vous permet d'être au courant de toutes les nouvelles vidéos et de tous les lives que je ferai pendant les vacances et bien plus. Ok, donc n'hésitez pas à me soutenir dans boutique d'objets, soutenir un créateur. Le code GX, le slime, comme ceci. Acceptez et là vous me soutenez enfin. Merci beaucoup à ceux qui le feront, ça me fait super plaisir et ça soutient énormément. Merci infiniment à tous ceux qui le feront. Bref, nous allons passer en review. C'est parti. Ok, donc on se retrouve en vision unboxing. Le tapis de souris qui à première vue paraît un petit peu comme chez Razer, avec le petit logo écrit. On voit bien écrit Razer, même si le Z est un peu mal fait. Je pense que c'est pour ne pas être dans l'illégal. Il y a un petit détail important, c'est ce point rouge déjà. Je pense que c'est pour complètement fausser tout le produit, ne pas dire que c'est Razer. C'est le même design que Razer, c'est écrit Razer. Bon, vous voyez bien que c'est une contrefaçon. Regardez bien les amis. Là l'étiquette en théorie elle est à l'envers. En théorie on devrait tenir le tapis de souris comme ça. Et donc on va dire que pour se défendre ils vont dire bah non, le tapis de souris est comme ça, il n'y a pas écrit Razer, il y a écrit ça en fait. Mais non, parce que le mec qui achète ça, il va le retourner comme ça. Enfin c'est, en fait c'est des tout petits détails. Mais on va dire que bah c'est ça qui fait en sorte que ce n'est pas illégal. Après la texture, on dirait du tissu, donc c'est un petit peu chiant pour jouer. Vous voyez bien, c'est vraiment chiant. Bref, on passe à la souris les amis. Ok, donc la souris qui est comme ça, j'avais tout simplement la boîte qui est juste ici. Voilà, donc à première vue, boîte authentique. Les petits reflets Razer qui font plaisir, c'est vraiment une vraie boîte pour moi. Personnellement, je trouve que c'est l'identique. Mais ce qui change en l'occurrence, c'est l'intérieur de la souris. Le visuel laisse penser que c'est complètement du Razer. Et quand on la branche, regardez bien. Voilà, là on l'a branché et regardez bien les LED, normalement il n'y a pas ça sur Razer. Je veux dire par là, regardez bien, normalement ça s'affiche blanc tout seul, mais là ça fait du RGB en fait tout seul. Et en fait l'intérieur de la souris, c'est vraiment pas le même DPI. On sent que c'est un capteur de merde qu'ils ont rajouté à l'intérieur et ils vendent ça comme si c'était du vrai Razer. Donc voilà, le capteur est tout simplement horrible. Après l'extérieur, on va dire, paraît clean, vraiment c'est les mêmes trucs que chez Razer. Je ne sais pas du tout comment ça se fait qu'il y ait en vente des entre guillemets vrais produits avec à l'intérieur un truc modifié. Vous voyez la souris, elle est assez simple. C'est vraiment une vraie souris Razer, mais avec l'intérieur qui est pas du tout vrai. Je vous mettrai sans doute les vrais liens pour acheter les vrais objets, mais pas les faux en fait, parce que c'est interdit tout simplement. J'avais une Deathadder pendant 1 an et demi et c'est vraiment pas pareil. On va positionner tout ça, et puis voilà, on se retrouve tout simplement pour faire des bullfights et jouer un petit peu. Okay, bon, moi j'ai pompe. Oh pardon. Pardon. J'ai pompe. Ta gueule. Ta gueule. Donc les gars, on se retrouve pour mon build fight. J'ai 5 minutes pour Rick là, donc c'est parti. Allez, 3, 2, 1, hop, c'est bon. Allez, hop, bon j'arrête la vidéo, à plus. Je suis tout en bas. Oh. Oh. Arrête de jouer. J'ai pas de sub. Oh, zombiette. Gros, je vais la faire voler par contre là. Je suis enragé là, en 5 minutes, je dois record, poster. Vas-y, allez, c'est bon. Bon, allez, je fight PP parce que là j'ai gagné. Donc voilà, deuxième fight, les gars. Oh la dégaine. 3, 2, 1, go. Plus vite. Non, le Kim tire dessus, arrête. Non, c'est faux, t'as perdu des dégâts. T'es... Allez, GX, tu peux le faire. Non, je peux pas. Il est tombé là. Arrête. Non, je tire sur le Kim. En fait, je suis nul. Putain. Enfin, moi, je le sers, moi. Arrête, laisse-moi monter. Ah, J'arrive pas à jouer, j'ai que deux pièces de build de moi. Arrête, non, le Kim, vraiment, t'es chiant là. Attends. Eh, oh. Joue à la piège contre moi. Arrête, gros. C'est moi ça. Tu vas me contrer, mec. Bon, allez, Lucky, tu joues contre moi. Vous êtes chaud, vous me devez un là maintenant. Avec une pioche. Ok. Oh, GX. On dirait un zombie. Oh, mais pourquoi il y a écrit Twitch maintenant? Ça pue la merde. Tu crois les gens ils vont se re sur ton stream parce qu'il y a marqué Twitch? Oui. T'es cul. On dirait que j'avais l'aide à la visée, gros, je te jure. Miguel, qu'est-ce que tu as? Ta gueule. Arrête, déconne pas, gros. Déconne pas. Ah, mais c'est pas. Okay, oh.
t'es pas drôle. On a dit la pioche. Oh, je te donne des coups de pioche là. Oh, oh, wow. Oh la dinguerie. Moi je propose qu'on aille en MM parce que là ça devient pas intéressant quoi. Tu veux qu'on aille en MM une fois? Une fois on y va, là c'est parti, allez go. On y va, là. Un peu de flic. Non mais vas-y, dis un chiffre, dis un chiffre. 5, ouais. 3, 2, 1, 3. Allez, reverse. Non, il y avait une. Reverse. Bon, du coup, attends, t'as dit combien? Attends, j'ai dit 5. J'ai dit 5, donc on prend le chiffre au-dessus. 3, 3, 2, 1, 4. Bon, tricheur, on recommence. 1, 2, 3, 4. Non, mais attends, mais quoi? Mais comment ça, 4? C'est un 3. Mais c'est bien ça. D'ailleurs, show closing, qu'est-ce que c'est? Trop fils de... Bon, allez, les petits rails, go section, et là, on va vraiment casser des bouffes. Alors, mon adresse, c'est... Bi-bi-bi-bi-bi. N'hésite pas à venir dans le chemin, ça fait plaisir. Je vais pouvoir le mettre... Non, tu fais bip. Pour combien je le laisse? Je déconne. Ah, c'est quoi ces grosses balles, gros? Attendez, viens voir la grosse balle, par contre. Il va après, bouge pas. Ah, trop tard. Mec, pourquoi ils ont ajouté ça? Wesh. Je fais des jongles. Mais tu peux pas faire de jongles. Je te jure que si, j'en ai fait 5. Oulé. En plus c'est bugué, ça pue la queue, gros. Là, ah. Venez, on le ramène dans Salty. On fait le tour du monde du ballon. Tu joues à quoi là? Ah lui c'est un bideux lui. Oh. Oulé. Un gros derrière de la slide. Oh, je me fais bouillave. Bouge de là toi. Là-bas il y a quelqu'un. Wesh. Mais putain. Ah, ça arrive. Ça arrive, c'est Lucky, je peux pas mettre de toi, aide-moi. Moi je vous propose un truc, je ferme les yeux, on va au point que je mets. Ok. Ok, je déconne même pas, on va là les gars. Mais y'a une bulle là. Sur nous. Oui j'avoue. Eh venez, on lui tire dessus. Eh venez, on lui pète sa mère. Eh pète ta mère d'ici. Ils viennent là. Casse ta mère de la piste, eh boum. Boum, tam. Ouais, mais vas-y, c'est un peu utile aussi. Allez. Oh. Oh putain, j'ai failli. Oh, mais vous partez trop loin. Oh mec, travail d'équipe de malade là, gros. Ça, ouais, franchement, grave, ça c'était beau, putain. Vous savez qu'il y a 10% de mon contenu qui part à cause des trucs que vous dites, hein, des fois. Hein. C'est vrai. Ouais. Mais what? Mais quoi? Allo? Heureusement que je fais du montage. Heureusement que je suis pas GameX13, hein, sinon. Bah tonton il a perdu sa chaîne. Voilà. Attends, t'es sur un drone là? Mais oui, mais non, t'es débile. Et tu montes en haut, voilà, et tu bouges pas. Et t'attends. On attend encore. On attend. Non, mais pourquoi t'as lâché, gros? Faut l'attendre. Comme ça, voilà. C'est pas moi qui se fait ban. On peut se faire ban? Je sais pas. Bah les couilles, allez, nickel, la chauffée. Oh. Je suis sauté de ma bulle. Attends. Oh, 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 avec cette costume. Mon cheat. Non, le kill. Oh, y'a un quad, y'a un quad. On se casse. On fait le glitch. J'arrive plus à récupérer ma boule. On va faire un truc. Pépé, viens voir. On s'en branle de ce qu'il dit là. Viens voir. Regarde, t'es prêt? Ouais. Faites les poteaux dans Koh-Lanta. Bah, c'est ce qu'on va faire. Et promis qu'il se fait tuer, bah, non, il meurt. Bien, je vais pas être le seul à jouer. Je me protège, je fais une danseuse. Viens, j'ai skippé comme ça. Fais des emotes. Aide-moi. Et le gagnant de la finale. Il a gagné, fils de pute. Qui J'arrive pas à faire de build. J'arrive pas à rentrer. Il est où? Non, mais le gars. Ah putain. Oui. J'arrive. Je peux pas mettre des sols. Mais sol. Merde. J'ai pas construit. Il. J'ai dit PV. Ah. Nine. Ah bah dommage. Franchement pas loin mec. Aide-moi. Mais dans l'état que ma chambre elle est. Dans 5 minutes il y a quelqu'un qui vient. Et plus jamais tu fais ça, mec. Oh, y'a un mec, je le vois. Sac à fait, tu. Oh.
pub. Oh, t'es fort toi, t'es fort toi. Il s'est éclaté au sol. Il est fort. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais surtout attendez, ne partez pas. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner tout de suite si c'est pas déjà fait. Vous cliquez sur le bouton s'abonner juste en bas, ça me ferait super plaisir, ça fait avancer la chaîne à une vitesse folle. Donc franchement faites-le si c'est pas déjà fait, vérifiez tout simplement si vous êtes abonné ou pas. Et si c'est pas déjà fait, faites-le. En tout cas moi je vous laisse, merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à me dire des concepts de vidéos dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Portez-vous bien, c'était GX.